Welcome aboard the Disney Skyliner at Disney's Caribbean Beach Resort. We're flying to Disney's Hollywood Studios. Aujourd'hui, il a fait gris parce qu'hier il était super chaud. Mm. Et cette nuit, il a plu et en plus, les températures ont bien descendu. Donc aujourd'hui, on est en repul pour ma part. Et moi aussi. Walt Disney had a passion for animals and the natural world. Today, we are traveling to one of the many protected wetlands here at Walt Disney World Resort. If you're lucky, you might spot some of the happiest wildlife on Earth. Yes, mais ça fait bizarre d'avoir un ciel tout gris parce que la semaine d'avant, même quand il faisait froid, il y avait un beau ciel bleu avec un soleil et tout. Bah oui. Et là, c'est la première journée où on a... Là, c'est vraiment un ciel gris. Genre, bon, on n'a pas de pluie, c'est déjà ça. Ils sont pas contents pour faire bientôt. Oui, voilà, c'est ça en fait, c'est pour ça. C'est mignon. Sinon, moi, aujourd'hui, j'ai fait un Disney Bound de Kida de l'Atlantide. Pour ceux qui auront reconnu, regardez-moi ça. C'est trop joli avec le petit maquillage. Et alors, le collier et tout. Ah, magnifique. Donc, je suis là. Voilà. Let's go to Hollywood Studios. Let's go. Hey! Du coup, on est arrivé au parc et la première chose qu'on a fait, c'est prendre un temps pour Slinky Dog. Et là, du coup, c'est dans moins d'une heure, donc voilà. On a fait quelques boutiques, mais on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait dernièrement. Donc voilà. Et là, on va aller voir Frozen Sing Along Célébration. Juste là. Youpi! Tu voulais le faire? La dernière fois je voulais le faire mais il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus de spectacle, il y avait plus de trucs. Oui, c'était passé. Du coup, au moins on va le faire et on tue le temps pour Slinky. On est bien arrivé à Toy Story Land. On attend pour aller faire Slinky juste derrière. Alors t'as bien aimé le show? Ouais. Le sing along de Frozen? Très bien, en plus il y avait les vrais personnages de Anna, Elsa, Kristoff. Et à la fin avec la neige. Oh, c'était sympa. Oh là là, j'aime trop ce monde. Il est où Slinky? C'est pas beau. Ouais, c'est vrai que le ciel, de toute façon, ça se voit. On dirait un ciel de neige. Ouais, il va neiger. Non, je rigole. Quand même pas, il fait quand même 16 degrés, je pense. Non, au moins. Oui, on va embarquer. On vient de faire Slinky Dog. Oui. Et on a pris la Lightning Lane pour Toy Story Mania. Donc d'ici 30 minutes environ. Ah, c'est long, hein. C'est long. Alors, j'avais regardé pour les Flying Saucers. Mais il y a quand même 35 minutes et en fait le temps, si par exemple on fait ça, bah, on sera en retard à l'autre, donc c'est pas possible, donc on va attendre. Ouais. Ça va, t'as pas trop faim? Ça? Ça va. Ça va. Moi aussi ça va. J'ai faim, mais ça va. Ouais, toi t'as tout le temps faim, mais ça va. C'est vrai, elle a pas peur. J'ai tout le temps la dalle en vrai. Mais sinon, ouais, c'était encore trop bien. Ah ouais. On a eu de la pluie dans la tête. Ouais, un peu moins cool. Mais bon, ça va, il fait pas non plus super froid. Oh, j'adore la déco de Alien Sterling, ça sert. Parle pour toi. T'as vu, je te fais l'Alien Sterling, ça sert. Ouais, bah c'est bien. On a même pas d'attente. Et ouais. Je te filme en même temps, je te conduis. Tu vas encore gagner. Qui est-ce qui va gagner? Toi. Toi? Toi. Moi? Ouais. Ça, c'est la classe. Oh. C'est parti. Let's go. Notre char est prêt. Embarquons. Mais où sommes-nous?
au restaurant ABC, au studio, et on a pris, tada, un burger, c'était lequel, le chicken, je sais pas quoi, et la salade méditerranéenne. Miam, miam, miam. On a la dame. Bon app. Mais elle est pas bien, celle-là. Qu'est-ce que tu disais? Je dis, it's cold. Cold. Alors, on se titule. On va aller faire Mickey's Runaway Railway. C'est dur à dire, ce truc, hein. Ouais. Mickey's Runaway Railway. Ouh, j'ai Youhou. Trop mangé, j'ai mal au bidon. On en a bien mangé. J'ai trop mangé, mais... Là, je suis en période digestion. Elle a pris un chocolat chaud. Tu as pris quoi? Un chocolat chaud. Donc, t'as mal au ventre après. Ouais, parce que j'ai trop bu rapidement et c'est après, des gros chocolats chauds. C'est des gros chocolats chauds, donc là, t'es rempli. T'es rempli. Ouais. Et puis, il y a le coup de barre d'après manger. C'est clair. Il est genre 15h20 ici. Il caille. C'est pas la même température. Ça, c'est parce qu'on rentre. Ouais, non, mais c'est ça, ils veulent pas qu'on rentre. Mais ça veut dire que demain dans l'avion, il va faire froid. Demain, je m'en fous, je ferai un sac. Ça veut dire que je vais mettre tous mes habits sur moi. Avoir chaud. Et comme ça, il y en aura moins dans la valise. Je vais mettre tous mes pulls sur moi. Triple couche. Ah ouais. Je vais mettre mon pull, Oogie Boogie. Je vais mettre ces pulls-là au-dessus, je vais mettre un jersey au-dessus. Bon, ben là, tu vas pouvoir pas me dire que t'as froid dans l'avion. Et je vais mettre un short en dessous de mon pantalon. Ouais. Bah moi je vais mettre mes bas de contention. Moi je les ai craqués. J'avoue. Non, moi, je vais mettre ceux qui montent haut, mon jogging. Et en haut je mettrai plusieurs couches aussi. Ouais. Comme ça j'aurai pas froid avec ma veste de Chicago Bulls. Voilà. Et c'est bientôt l'heure de faire Mickey Macha. Après on fera la tote. Parce que la dernière fois on l'a fait, mais il y avait des gosses adolescents là qui gueulaient comme des canards. Non mais ils gueulaient même quand il se passait rien. C'était vraiment pour faire chier le monde. Donc, même quand on était arrivés, ils faisaient ah. Mais vraiment genre juste ils étaient à vraiment la place derrière nous et ils nous gueulaient dans les oreilles. C'était voilà, donc très on doit faire ça. Bizarre. On doit faire ça et puis voilà. Ça faisait mal au tympan. En gros, c'est ça qu'on devait refaire. Mais Rise of Resistance, où s'il y a trop de monde. En fait, on aurait bien aimé, mais genre si on doit attendre 2 heures, ouais. Ça va être chiant. Et sinon, on a prévu d'aller à Disney Springs après, en fin d'après-midi. Et on vous filmera un peu le merchandise. Ouais, voilà. Ce qu'on n'a pas vraiment fait. Ouais. Donc, je suivrai Elodie et elle vous présentera. Merchandise. Et on espère trouver ce qui nous manque. Merci Elodie pour cette. Et je suis bien bronzée, hein. Ouais. Ça se voit, hein, mon dieu. Moi aussi. C'est même pas le même visage que d'habitude. C'est clair. Bon, je crois qu'il est l'heure, hein. Ouais. On vous laisse. Ouais, il y a un deuxième. Ouais. Take a ride on the train? Excuse me, you lady. Do you mind helping these good people into the cartoon while I fix this here locomotive? Well, it's not a lot of paperwork, but I guess so. Thanks. Be back in a jiffy to pick you all up. All right, everyone. Permanezcan sentados y vigilen a sus.
Ça y est, on embarque. Venez. Dans la boutique à la sortie, enfin c'est une petite boutique à la sortie du Runaway Railway, et vous avez le Unfly de l'attraction avec le petit portefeuille qui suit. Ah ouais, il a combien le portefeuille? $50. Et le Unfly il est à $85. $85 le prix des Unfly. Ouais. Ensuite vous avez le petit mug, ouais, Runaway Railway. Il est grave mignon mais il est super lourd. Moi, ça ira pas. Ici, je trouve qu'il est pas superbe le t-shirt adulte. Le t-shirt enfant, il est plus mignon. Et après, sinon, il y a ça qui est rigolo. C'est la tornade avec la musique. Ouais, c'est dans l'attraction qui se passe ça. C'est pas mal. Ouais, mais c'est mignon. Pour bébé quoi. Ouais, bah. Sinon, après, vous avez la panoplie Mickey, hein, vous pouvez mettre les chaussures. C'est trop mignon. Ouais, c'est sympa, donc c'est un petit truc comme ça, hein. C'est un petit stand. Il y a quoi? Ah oui, le gobelet. En fait, il y a le gobelet comme ça, mais j'ai peur que la paille soit difficile à nettoyer, comme elle est en zigouigoui là. C'est le seul truc dérangeant, parce qu'il est super beau. T'en penses quoi toi par rapport à la paille? J'ai peur que s'il y a un truc qui reste coincé dedans, que ça pourrisse et que tu peux pas utiliser du coup. Je sais pas, après une paille ça se remplace. Ouais, c'est vrai. On dirait un enfant. Il y a aussi les pires de l'attraction. Mais je ne les prends pas parce qu'elles sont fragiles. Ça, ouais. Ça mousse. Ça, c'est en plastique. Ouais, je pense que ça peut casser facilement. Ça m'énerve un peu.
mais si vous avez le ride de l'attraction, et là il y a marqué Nothing Can Stop Us Now. Parce et c'est à combien dans la chanson. Oui. C'est. Attention, il n'y a pas de prix, c'est gratuit. Mais si, c'est 29,99. Ouais, les murs, c'est $30 en général. Ouais. Ah, il y a aussi le ornement. Attends, j'arrive. Vous avez l'ornement comme ceci, qui est à 24,99. Et deux magnettes comme ceci, et les porte-clés. Le porte-clés qui tourne. Et il est à 9,99 celui-ci. Les magnettes, 14,99. C'est quand même assez cher. Des coques de téléphone comme ça, peut-être des pins, je sais pas. Ah non, et on retrouve Hello. Ah, c'est mignon avec la petite fleur, avec la petite fleur, ouais, c'est chou. Ouais, voilà. Et nous avons celles-ci qui sont cute. Ah, ouais, c'est mignon. Oh, c'est chou. Mais du coup, bah là, il sera bientôt l'heure pour aller à la tour de la terreur. Il est 15h52, c'est à quelle heure? 15? Oh, à 16h15? 16h15, oui. Bon, on a encore un peu de temps devant nous. On a un peu de temps devant nous. Ouais. Et après la tour, on fait quelque chose ou pas? Je sais plus. On rentre? Enfin, on rentre au Disney Springs ou... Oui, on va à Springs. Ok. Allons à la toute. On est trop mignons, le petit. Yoshi. Il s'en est allé. Il s'en est allé, mon petit cœur. Yoshi. Elle l'appelle la Yoshi. Maman. Ça, c'est quand Yoshi, il lui manque trop. Ouais, il me manque, mon petit bébé, là, trop mignon. Je m'en vais en arrière. Salut. Non. Yoshi. Mais il s'appelle pas Yoshi. On s'en fout. Il a pas de prénom, même. On va pas l'appeler Hollywood et l'autre studio. Ah, si. Il s'appelle Hollywood. Pico. Il s'appelle Tot. Ah, mais il est parti. Non, il est plus là. Il est où? Ça y est, on y va. Top. Bon bah du coup ça y est, on a fini. On va s'en aller et on va aller. Oh, il est repassé. Et on va s'en aller à Disney Springs. Mais pour l'instant il faut reprendre le Skyliner, aller à l'Artof et puis prendre un autre bus. Donc il y a du... qu'elle peut filmer et que moi je pousse. Il y a du boulot. Allez, au revoir. Oh. Adieu Hollywood Studio. Bonsoir Skyliner. On va où? Bon allez, on prend le Skyliner et après on prend le bus pour aller à Disney Springs. C'était notre dernier jour au studios. C'était notre dernier jour au studios. Et du coup, et il y a demain, on a l'avion à 18h. Ouais, je crois. Mais comme on doit vérifier, oh, faut faire les tests, etc. Franchement, demain, je prévois rien. Parce que je pense qu'on ira vraiment tôt à l'aéroport. Ouais, pour, je pense aussi. Pour essayer de trouver un endroit pour faire les tests, etc. Et qu'on soit à l'heure, et au moins on se reposera là-bas. Ouais, enfin, voilà quoi. Donc. Voilà! Parce qu'on peut pas vraiment prévoir d'aller quelque part parce que le temps de prendre les bus, les machins. C'est pour ça qu'on si tu restes coincé quelque part, t'as pas besoin de plus aller. Voilà. The water that flows from... C'est lequel ça? C'est Stitch. Merci. Ah,
Story devant. Ah, ça nous fait des grands bras. Regardez-moi ce beau temps. Ouh. La Floride, elle pleure quand on s'en va. Oui, il nous pleure déjà. C'est ça. On n'est même pas encore parti qui pleure déjà. Ah ouais. Oh, c'est mignon. C'est mignon. On part demain, mais elle nous pleure déjà. Ouais. Elle sait que c'est notre dernier jour officiel. Hein. J'ai une poussière dans l'œil. Non. Quel beau temps. On va retrouver un temps pareil en France. On va pire. Parce que là, ok, il fait froid, mais moi je trouve il fait frais. Non. Parce qu'en France, il fait froid. Gelé, quoi. Mais... Il fait froid. Mais en France, il fait froid glacial. Si aussi, hein, aujourd'hui. Non. Si. Il fait 15 degrés. Non, il fait pas 15 degrés. C'est parce que toi, t'es frigoreuse. Non, il fait pas 15 degrés, tu vois. En plus, il pleut. La pluie est froide. Non. Là. Au revoir, les beaux skyliners. Vous allez nous manquer. C'est vraiment beau, hein. Le coin des beaux. Maman, je t'aime, hein. Je t'aime. Non, mais elle croit qu'il va y avoir un ouragan, tu es bête. Bah, avec un temps pareil, on sait jamais. Ouais. Bah, c'est juste un jour de pluie. Ouais. Bah. Il y a du vent, il fait moche, il fait froid. Comme à Paris. Température qui change d'un coup. Nous sommes en Floride. Bah, alors. C'est le grand est australien, le courant du grand est australien. Et bah la piscine elle est ouverte. Il y a crush. Puis il y a quelques personnes, non? Tu veux aller à la piscine? Tu veux aller à la piscine? Oh mon dieu, ils sont malades. Ils vont être malades, ça c'est sûr. Ils sont pas encore malades, ils vont être malades, ça c'est clair. Punaise, mon dieu. Ah ouais, y'en a, ils ont envie, hein. Non, ils viennent leur dire de sortir de la piscine. Ah. Il va y avoir de l'orage. Ah, ça y est. C'est bien ce que je dis. C'est trop marrant, il y a... Le truc là. Et je monte le décor. Elodie, elle va s'envoler, hein. On peut avancer là. Obligé de finir. On va profiter de la Regarde. Elodie quand elle me râle dessus. Ah ouais, mais moi je veux pas rester dehors, ricaille. Allons-y quoi, faut aller prendre le bus, faut arriver à Disney Springs. Regarde, ils ont jarté tout le monde de la piscine. Ah ouais, parce qu'il va faire un ouragan. Mais n'importe quoi. Bah c'est possible. C'est pas la période. Toi tu connais pas toi. Ils ont jarté tout le monde de la piscine. Worst person in the world directions. Mais non. Bah si. Ah tiens, c'est nouveau. Oh, on prend. Ah bah allez. On prend. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas la dernière fois. C'est pour ça. Même ça, c'est nouveau. Ah ouais. Enfin, j'avais vu. Ah ouais, ouais. Bah ils ont mis du stock alors. Bon, vous avez pas montré encore la boutique, il me semble, de l'hôtel. Ah bah elle le prend direct. Ah, vous avez une partie nourriture. Et là c'est l'entrée directe pour le resto du coup. Pour aller remplir les mugs aussi. Les jeux. De quoi?
Ah ouais, il est beau. Oh, j'adore. Elle a plus de main. Ouais, ils ont mis du stock. Ah ouais, c'est beau. C'est beau ça. Ouais, c'est beau. Combien c'est? Bah, si c'est ça, c'est 14,99€, mais je sais pas si c'est pour les masques ou si c'est pour les chapeaux. Ça me paraît peu cher. Moi mais... aussi, ça me paraît peu cher. C'est quand même une chemise de 50 ans. Ouais. Alors là, je ne sais pas. Mais ça, il n'y avait pas. Ouais. Bah ouais, il y a tous les jours des nouveaux trucs. J'adore le, tout ce qui est sur le Skyliner. Vous avez les mugs, les bouteilles. Ici, il y a plein de trucs pour les mugs, pour la cuisine et tout. Pour les animaux. Toujours pour les chiens, ça. Bah ouais. C'est trop mignon. Les jerseys. Ah ouais. Vous avez aussi une partie sur le basket. La chemise. Pourquoi ils étiquettent jamais? Bah, je sais pas, des fois ils mettent pas les prix. C'est un peu chiant. Mais là, il y a lui par exemple, à côté c'est 27,99€. Donc, bah ouais, mais du coup, je me dis, est-ce que c'est plus ou moins la même tranche de prix ou pas? Ouais, c'est clair. Les Magic Ben, les différents Magic Ben. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est une fourchette. Elodie, elle adore celui-là. Ah ouais, le rose à paillettes, évidemment. Évidemment. Et ouais. Bon, du coup, c'est bon, on prend ça? Ouais, on prend ça. Et on va à Disney Springs? Yes. Bon, on est arrivé? Ouais, on est arrivé. Oh là là. la, je crois que c'est le pire transfert en bus qu'on ait fait. Ouais, le pire. Ah non, mais déjà, c'était blindax. Genre blindé à fond. Parce que, je sais pas, tout le monde a décidé d'aller à Disney Springs. Ça se voit qu'il fait moche. Ouais, mais enfin, je veux dire, pourtant, Disney Springs, t'es quand même dehors. Ouais, après, tu fais les magasins, Donc tu rentres, tout ça. Ouais. Mais du coup, tout le monde était dans le bus, là. C'était relou. Et du coup, bon, bah, Hello, il faut qu'elle s'assoie par rapport à ce problème, elle peut pas rester debout et tout ça. Du coup, la seule place qui restait assise, c'était entre deux gros Américains, quoi, mais la taille... Bah ouais, bah, extra... Enfin, tu vois, genre, les Américains, vraiment... Non, ouais. Donc voilà. Et du coup, Hello, elle était là, genre elle s'assoit à la galerie à s'asseoir et elle était comme ça. Ouais, j'étais pas bien du tout. Genre, je la voyais, ses épaules elles étaient comme. Ouais, comme bah j'ai mal aux os du coup. Mais enfin, du coup, ouais, c'est. Aux os, quoi, et en plus, le gars était à droite, il avait son gosse sur les genoux. Il était gigoté, donc ça donnait des coups à chaque fois dans mon épaule. En plus, il a fait un truc dégueulasse, le gosse, il a mis son doigt dans son nez et il avait sûrement une crotte de nez et il a enlevé le masque de son père, il lui a mis le doigt dans la bouche. Et le père il disait rien, il était, genre il donnait des coups de poing et tout dans la tronche et le gars il disait rien. Rien à faire, le gosse est roi, j'en sais rien. Et du coup on se dirige vers où? World of Disney. Après cette épopée. Ouais, putain. Ouais. World of. Faut presser comme une sardine aussi. C'est clair. Le World of Disney. Il est là. Enfin, c'est l'une des entrées. Alors faut aller par là. Je pense qu'il y a tellement de monde qui font des entrées, tu sais, genre, ils sont obligés de faire un sens
Parce que quand on vient la semaine, il y a beaucoup moins de monde, du coup, il n'y a pas de sens de circulation. Regardez le dragon de Maléfique. Maléfique en dragon en Lego. Ça, c'est encore la sortie. Faut aller par où, du coup? Là-bas au bout? Ah oui, c'est là-bas au bout. L'entrée avec Stitch. C'est tellement grand qu'il y a 36 000 entrées. Ah oui, c'est ici. Et il y a une autre entrée là-bas avec Stitch. Là-bas. Alors, suivons Elodie dans World of Disney. Présentation du jersey. Il est à combien? Il est gratuit. Il est gratuit. À chaque fois, je prends un truc avec pas d'étiquette. Ouais, c'est clair. Bah non, mais les prix, c'est au même. En plus, il est cher, il me semble, lui. Ouais, je crois, ouais. Ouais, par contre, c'est vrai que ici, les prix, c'est une fois sur dix. Ouais, mais pas de prix. Ah si, là. Ah oui, bah... 84. Il y a des pins. Nous, on veut ça, mais en magnette. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Un truc pour mettre derrière son téléphone. Ah oui. Ah ouais. Il est beau, hein? Ouais. Des boîtes à biscuits. Encore un jersey. Ouais. Bah ouais. Ils l'ont fait à Disney de Paris, du coup. Ouais. Et lui, par contre, il est à 119,90€. Ouais. Comme quoi, les prix pour le 50e, ça varie énormément. Est-ce que tu prends direct les sacs, là? Nous avons celui-là. Ouais. Avec le derrière, comme ça. Yo. On va prendre celui-ci, ouais. Il nous faut le grand. Le grand, est-ce qu'il y en a un derrière ou pas? Bah, ils en ont peut-être plus ou alors en caisse. Ça, c'est le médium. Donc nous, on n'a pas le petit, il nous faut le grand. Ouais. Comme vous le voyez, il y a énormément de monde aujourd'hui. Ils ont fait des pop-corns des 50e. Mais il y a des goûts un peu bizarres. Ouais, il me semble. Bon, bon. Il est à combien le popcorn? Je sais pas. Il est pas écrit. C'est très optionnel comme j'ai dit. Yeah. My mom's got one. C'est un super beau livre. Ouais. Il est trop beau ce livre. Ouais. $35. Avec plein de recettes. Il est trop beau. Ouais. Vraiment l'univers. Ouais. Walt Disney, ouais. Il est beau. Ça aussi, t'aimais bien ces pulls-là? Ouais, ils sont mignons. Regardez là, c'est Percy de Pocahontas. J'aime bien le fait que ce soit en tie and dye comme ça. Ouais. Cela, 54,99€. Ah ouais, quand même. Celui-ci, il est fun. Ah ouais. J'avais pas vu derrière.
Ouais. Waouh. C'est à combien celui-ci, s'il est écrit? Alors, est-ce qu'il est écrit? Ouais. 84,99. Ah ouais. Voici les ears pour les 50 ans. Waouh. Moi, j'aime pas ça. Ouais. Sinon, ça, c'est beau. Ouais. Et il n'y a pas de prix. Ça doit être écrit devant, non? Non. C'est surprise. C'est vraiment surprise, quoi. Ah, il y a les pousses mousses. Oui, les fameux pousses mousses, elles vont en avoir à Saint-Paris. Ouais. On avait décidé de pas le mettre. Sinon, on en aurait pris, mais comme on a vu que ça va sortir. Eh, hey, regarde le sol. Ah ouais, c'est beau. Si vous avez un lot de 4 puzzles. Je crois qu'on l'avait dit qu'on a craqué. Ils sont trop beaux. On a craqué dessus. Ouais, faut pas le dire, hein. Mais si, on l'a dit dans le vlog quand on était au magasin. Il y a un camion, des chocolats, des corps. Ah ouais. C'est la même que le sac Launchfly en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est des Launchfly. Mais du coup, elles sont à 40$. Ah ouais. Donc là, on a les pins. Là, les porte-clés, encore des pins avec la lanière, encore des pins. Là, ici, c'est un magnète cadre. Et là, c'est quoi? Des pins mystery. Pins surprise mystery, ouais. Collector. Ouais. Et ça, par exemple, c'est... Oh là là, 21,99$. Ah ouais. Ce sont pas... Hein, non, franchement, pour le 50e, ils se sont fait plaisir au niveau des prix. Ah, c'est mignon pour les enfants. On l'a vu à notre boutique du coup, mais il n'y a pas le prix encore. Ouais. Pour les petits bébés. Alors ça, franchement, c'est trop mignon pour les enfants. Ouais. Celui-ci il est vraiment beau. Ouais, c'est vrai. Il est à 29,99$. Ah ouais. Les petites casquettes, la chemise, le polo. Il y a l'ensemble de survêtements. C'est 49,99$. Ah ouais. Mais il a l'air chaud. Ah ouais. N'empêche qu'il a l'air chaud. Là, il y a une veste. Ça, j'aime trop. Ouais. Et celle-ci, elle est super belle. Ouais. Mais elle est super chère. Elle était à combien déjà? Où est-ce qu'elle est là? 90$. Ouais, c'est ça. Avec ça. Oh, la collection pour les chiens, oui, et les chats. Fait les jerseys. C'est trop mignon. Pour les 50 ans. C'est trop mignon. Ouais. C'est 40$. Ouais. Donc on passe là, on fait la passe ici. Dans un autre jogging ici. Ouais. C'est moins beau, je trouve. Ouais, c'est clair. Il y a 49$ pour faire une montre aussi. Il y a les Wishable. Les Wishable. Vous avez la chance d'avoir soit 8, soit 8, soit 8, soit 8, soit 8. Et c'est combien? Pour un prix de, on ne sait pas. 14,99. Ah ouais, 14,99. Il y a les sacs bananes. Moi, je l'aime bien, la banane. Je la trouve super sympa. Parce que elle représente les parcs, les attractions. Ouais. Et là, les 50 ans, elle est super belle. Et si tu la mets avec un outfit et tu la mets en travers, comme ça, c'est super joli. Et il n'y a pas de... Ah si, 29,99. Ah ouais. Ça, c'est une tablette de chocolat qui coûte méga cher. On a perdu Hello. Essayez de retrouver Elodie. Ah bah la voilà. Cette version là aussi en puzzle. 1000 pièces. Ah oui. Elle est sympa aussi. Mais là c'est un seul puzzle. Ouais. C'est 24,99$. Cool ça. Et regardez, j'ai des petits dessins sur moi. Saul. Oh, regardez les chocolats Saul.
Ah bah il est là, regarde. Maintenant je vais montrer des articles. C'est que ça j'aime en bien. Fait. Ah oui d'accord, ok, mais j'adore. Il est trop mignon. Ouais. Mais je l'ai en pop celle-là. Ouais. Tu veux montrer des articles que t'aimes bien? Voilà, que j'aime bien, mais je vais pas acheter, mais que j'aime bien. Ouais. Ah c'est sympa ces wishables là, il y a quoi dedans? Des wishables. Ah c'est le dragon, Malévi, ah le balai, il est trop mignon. Balai, Chernabog et Steamboat. Ah ils sont c'est sympas. Toujours 15 dollars. Ils sont originaux. Original. Vous avez aussi original. Dwarf Neige. Et cet nain. Comme ça. Vous pouvez même avoir le reine. Ah ouais. C'est marrant. Ici derrière, vous avez le roi lion. Toujours ah, le ouais. Même prix. Les wishables, c'est toujours pareil. De quoi? C'est des wishables tout seuls. Ah ouais. Mais du coup on les trouve jamais tous, c'est genre quelques-uns. Donc ils coûtent aussi le prix d'un paquet quoi. Ouais. J'aime beaucoup ce petit pigment qui peut se mettre avec un aimant là, sur l'épaule comme ça. Ouais, c'est trop mignon. Je trouve ça trop mignon, mais je l'achète pas. Ouais. Mais je trouve ça trop mignon. Et le prix c'est écrit à chaque fois ici, 19,99€. Le Orange Bird aussi, il est mignon. Pigment, c'est pour Epcot. Ouais. Voilà, ça va voir. Regardez, ils ont fait les... Ah, vous savez que je fais les peluches Belleville. Et là, ils ont fait de l'or en alébris des cocos. Ouais, c'est mignon. Il est trop mignon, franchement, il est trop mignon. Toujours 34,99€. Là, ça change pas. C'est cher. Et regardez ces petites ailes. Ah ouais. Trop mignon. Société, les gars. Ouais. Life, on connaît pas. Disney Park, mais on connaît pas. Il est à combien? Moi je connais le nom, mais je sais pas les règles. 49,99€. Ok. En général, les prix des jeux de société. Hein. Ouais. Candyland, je connais pas non plus. Ouais. Je sais pas trop ce que ça vaut. Ça, c'est moins cher, c'est 24,99€. Ok. C'est pas toi, il est tombé tout seul. C'est trop mignon. Ils ont fait les hippos en version Jungle Cruise. C'est 40€. Ouais. Ça, j'aime bien. La bataille navale là. En mode Pirates des Caraïbes. Ça j'aime bien. Ouais. C'est 44,95€. Voilà, donc les jeux de société. Ça je trouve ça trop mignon. Le Monopoly. Le Monopoly Disney Parks. À 50€. Ouais, ça je sais pas du il tout est comme ce que c'est. Regardez. Ah ouais. Vous pouvez voir le Monopoly comment il est. C'est trop mignon. Il est trop mignon cela. Alors. 40€. Ouais. De puzzle, vous êtes servi. Il y a plein de motifs différents. Ils sont super beaux. Si vous en avez encore des autres. Là. Encore ici. Ah, qu'est-ce qu'elle a vu? Ah oui, il est trop mimes. Le petit Winnie je qui dort. Beaucoup. En plus, c'est exactement la tenue qu'il porte dans l'attraction. Ouais, c'est vrai. C'est chou. Là, il y a le petit bourriquet. Oh, sorry. No, no problem, don't worry. Il est trop mignon et c'est un cuddle. On fait les Skyliners, alors c'est les véhicules qu'on prend pour se rendre Epcot, Hollywood Studio. Et ils ont fait donc les Skyliners, certains, pas ils tous. Ils ont fait Mickey et ses amis, regardez, là, il y a Tic et Tac. C'est mon préféré, c'est Haunted Mansion. Ouais, il est beau. Il est trop beau. Ouais, il est vraiment bien. Et ça, par exemple, c'est Reine des Neiges. 19,99€. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a, non? On a la petite sirène à Paris. Il est beau quand même. Slide, oui, il est beau, j'adore avec ça. Ils ont fait le launch slide de vice versa. C'est super joli. Hein. Mm. Franchement, ouais. J'ai déjà craqué sur des launch slides en fait. Oui, oui, oui. Puis après, même si c'est super beau, c'est pas ton gros coup de cœur. $75. Ouais. J'aime bien le détail du. Ouais, j'aime bien. En plus, c'est ça, pailleté. C'est super beau. Et à l'intérieur, je sais pas c'est comment il est. Tu veux que je tienne ça? Ah, il y a tellement de cartons. Ah, c'est des ah, couleurs. Oui, c'est...
Ici, vous avez les petits bonbons, là, la licorne. Pas de prix. Il n'y a pas de prix. Il y a beaucoup de pop-corn comme ça. Ça, c'est au fromage. Une serviette de bain. Alors ici, on a la catégorie Pizza Planet Story. On fait une boucle comme ça. Ouais, elle est belle. Même le pull, ça, là, il est beau. C'est 19,90$. Ouais. Le pull est joli aussi. Ouais, il est sympa. Et ben, il y a combien déjà? Franchement, il coûte cher. Ouais, ouais, je sais. 52,90$. Parce qu'au début, j'avais vu et tout. Et après, quand j'ai vu le prix, je suis ouais, non, il est beau, mais il va rester là. Ça, on l'a, DLP. Ça aussi. Là, ici, vous avez des chaussettes. J'adore ça, les j'aime grosses pas. Chaussettes. Ah ouais, ils aiment trop. Elles sont hot, j'aime pas ça. Ouais. Ici, la balle. C'est une tenue d'attraction. Ah ouais, c'est clair. Zerg, le puzzle, un petit Woody, un petit. Ça, c'est marrant, c'est un truc qui lance des balles. Ouais. J'hésitais à ramener ça, mais j'ai choisi autre chose. Pour un enfant. Et 9,90€. Oh, c'est trop mignon. Ah, un mini lunchline. Ah ouais, il est trop chou. Un mini lunchline Chewbacca en mode Noël. Hein. Non mais ça, on en parle des pulls comme ça là. Comment tout ça, le monde en porte. Ouais. C'est pas mal, mon style, on va dire. Le mini lunchline, il coûte quand même $70. Ah ouais. Ouais. Mais il est grave mignon, mais ouais, j'avoue. Par rapport à la taille et tout. Ah ouais. Oui, regardez, ah, t'as tout. Ah ouais, non, mais ils sont à fond là-dedans. Je crois que Gabanier. Les chaussettes. Ah, comme on vous disait, ils adorent les grandes chaussettes. Hein. Ici, moi, je suis énervée. Ah oui. Faut que je vous dise, les gars, je suis super énervée parce que je cherche cette ceinture depuis super longtemps. Et en fait, le problème, c'est que ici, ils taillent XSM. Ça, c'est la taille d'un gosse. Ouais, c'est vraiment petit. Et vous avez pas plus grand alors qu'on est aux USA. C'est une taille unique, ouais. Vous avez tous des t-shirts, des jerseys, XL, XXL. Triple XL même. XL. Et ça, vous l'avez pas en plus grand. En plus, c'est écrit XSM, mais ça taille vraiment petit, ça taille pas du tout un M. Non, j'arrive même pas à faire. XS à la rigueur, ok, mais pas plus. Donc c'est pas bien. Ouais, et il n'y a pas du tout d'autres tailles. Bon, bah allez. Dernier soir. Au revoir Disney Springs. Au revoir. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait n'empêche. Non, on a acheté deux petits trucs et c'est tout. Voilà. Au moins on n'a pas dépensé de ouf ce soir. Oui. Les derniers ce sera demain, on verra. Bah demain ce sera l'aéroport, les derniers achats. On verra demain, mais là on va aller prendre le bus, on va aller manger. Ouh, comme hier. Au Pop Century. Le même repas qu'hier pour ma part. Ouais, oh, ils ont fait tomber leur badge. Et du coup, miam yam. Non mais en fait, le Pop Century et le Art of, quand vous prenez le bus au... C'est à l'autre bout du cul. Oh, Disney Springs, c'est tout au bout. Non, c'est vraiment loin. Ouais. Tu dois vraiment faire 36 trucs. Ah ouais. Et y aller. Mais bon, enfin. C'est comme pas ça. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Ils sont trop, vraiment beaux les bus. Bon là, c'est un... Mango, il est pas non plus beau, mais ils ont fait vraiment des très très beaux bus. Il y a des bus pour le 50e, j'adore le bus Pigmen. Oh, j'adore celui de Cendrillon, il est trop beau. Cendrillon, Peter Pan, franchement, il y en a des vraiment très très beaux. Ouais. Mais je vous ai même pas filmé ça. Honte à moi. C'est au lieu. Est-ce que t'as la dalle? Moi, ça va. J'ai envie d'aller manger, ouais. J'ai envie d'aller me poser. J'ai envie d'aller manger, ouais. Voilà, on prend le bus tranquille et après c'est parce qu'on va manger à 15h. Oui, voilà, c'est pour ça. Alors que d'habitude, on mange vers 13h. Et notez-le bien, j'ai pas la dalle. Wow. Il est quelle heure? Alors, aujourd'hui, samedi 5 février à 18h42, heure des États-Unis, heure d'Orlando. Je n'ai pas la dalle. Applause. Ouais, franchement, vous pouvez me féliciter. Ah là là, petit pincement au cœur là quand même. C'est la vie hein. On revient plus dans les parcs, on revient plus à Disney Springs. C'est fini. Elle aime bien déprimer.
C'est fini. C'est que c'est fini, mais c'est pas fini pour toujours. Après, on peut pas se plaindre. Hein. On a quand même fait Aulani, on a fait Moche Jour à Walt Disney World. La meilleure période parce que c'était l'hiver, quoi. Ouais. Et c'est trop cool. Oui, c'est ça. Ça fait tellement du bien psychologiquement de te mettre en short, t-shirt, tong alors que t'es en janvier, février. Ouais, franchement. Avant-hier, parce que hier on a fait Magic. Avant-hier, et bah waouh. Ouais, incroyable. Donc, incroyable, hein, franchement trop bien. Ouais. Trop bien de partir l'hiver. Ah ouais. On a dit qu'on aimait bien partir l'hiver. C'est clair. À refaire. Ouais. Ou alors tu sais, fin d'année, même genre novembre et tout. Ouais, ouais. Parce que genre ici il fait bon. Ouais. Genre même quand tu vas à Hawaï et tout, c'est trop des destinations. Tu pars l'hiver, comme ça il fait froid en France. Et, et t'appréhendes moins ton hiver en France. Donc c'est cool, on aime bien partir en hiver, c'est pas mal. Ouais. Pas mal. À refaire.